Voilà, donc ici on se retrouve sur le site du Steenmolen. Steenmolen est un mot flamand qui veut dire moulin de pierre, moulin en brique. Steenstone la pierre et molen moulin. Seul moulin en brique de la Flandre ici intérieure et de la Flandre maritime. Hein. La raison pourquoi c'est le seul et unique, parce que c'est un jeune moulin qui a été construit en 1864, donc il y a exactement 151 ans, en lieu et place d'un moulin en bois qui avait été renversé par une tempête. Ce moulin étant un des derniers moulins qu'on a construit, il a bénéficié de toutes les techniques, des techniques de refroidissement un peu de la farine avant de la tamiser, chose qu'il n'y a pas peu de moulins ils ont. Et dans le musée, il y a une minoterie. Alors la minoterie, c'est la façon moderne de faire de la farine. Là aussi, pour expliquer l'ingéniosité des gens et l'évolution des techniques. Et il y a autre chose dans le musée aussi, c'est tout l'artisanat flamand qui se trouve à l'intérieur, avec le sabotier, le cordonnier. Et tout ça, ça permet de montrer un peu la vie du temps passé. À l'extérieur, on a aussi une exposition de machines agricoles. Donc ça va de la machine à vapeur jusqu'aux machines tirées par le cheval et puis après des manières modernes. Le petit plus que nous avons, c'est qu'il y a des tas de machines qui tournent. On montre comment la transformation du lin, on explique d'une manière adaptée à l'âge des enfants. Et en plus, ce qu'on montre, les enfants sont captivés comme les adultes. C'est toujours vivant, puis il y a toujours une histoire à raconter. Et tout ça aussi avec des miniatures pour les écoles, éventuellement, qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent voir et faire tourner une meule pour voir comment on pouvait faire de la farine à l'époque.